Chacun du pognon et des valeurs, des villas et des bagnoles. Sont jamais tranquilles, ont toujours peur des impôts de la cambriole. Je n'ai pas la folie des grandeurs, chacun sa philosophie. Pourquoi chercher au loin le bonheur? Pourquoi se compliquer la vie? Sans un, sans un, je suis toujours sans un. Sans le sou, je m'éveille le matin. Et le soir, je n'ai pas un rotin. Tous les fauchés, faut que ce soit les frangins. Depuis que je suis né, c'est le même refrain. Sans un, sans un, toujours, toujours sans un. L'avenir, ça ne me fait pas peur, je suis le désespoir des assureurs. Les plans de carrière, les crédits, ça vous use les nerfs enfaiblis. Je vis au jour le jour, ça me suffit, je me passe même de compte en banque. Et comme par bonheur, je suis né serein. J'ai pas la pression et que ça me manque. Et sans un, sans un, faut bien que je fasse le malin. Que je me raconte que tout va bien, que la vie est belle quand on n'a rien. On a bien droit de rigoler un brin. Un jour on trouvera un moyen. En attendant, on est toujours sans un pom pom. Jadis on me trouvait sympathique, j'étais le clown romantique. Maintenant je suis dans le journal en tant que problème social. Malheureusement ça ne change rien, on le pense toujours mais on le dit moins. Que les gars comme moi sont bons à rien. Et que c'est pour ça qu'on est toujours sans un, sans un. Je suis toujours sans un. Ça vous occupe dès le matin, c'est plus prenant qu'un vrai turbin. Tous les fauchés, faut que ce soit des frangins. Un jour, on trouvera un moyen. En attendant, on est toujours sans un. Je suis très pensif, savez-vous. Aucun moyen de gagner le toit par là-haut, tout est fermé. J'ai l'honneur d'être dans une souricière. Le concierge ne m'a pas vu passer, c'est bon, mais après. À peine a-t-on résolu ce problème, entrer, qu'il faut résoudre celui-ci, sortir. Voilà la vie. Toute l'escouade est encore là dans la rue. D'Annépolis. Ils ont l'air de chercher. Peut-être ont-ils perdu ma piste. Vague espérance. Délibérons. Que faire? Si je m'en retourne par où je suis venu, je suis pris. Si je reste, je suis pris. Pour bien poser. La question est bien posée. Que faire? Oh, comme c'est drôle, les oiseaux. Ça se moque de tout. Voler ! Quelle bête de mot ! Il a deux sens. L'un signifie liberté, l'autre signifie prison. Les agents m'ont reconnu. Quelques. Mais est-il possible de pourchasser un pauvre homme qui ne fait de mal à personne uniquement parce qu'il a accompli autrefois une sottise? Ça ne pardonne pas une sottise. On flanque un pauvre diable en surveillance dans un trou de province. Surveillance, ça veut dire famine. Il ne peut pas gagner sa vie. Il s'esquive. Le voilà à Paris.
Qu'est-ce que tu viens faire à Paris? Je viens devenir honnête homme. Là. Paris est bon, Paris est bien. Je viens m'y perdre, m'y retrouver. Changer de nom et de métier. Voyons! Veut-on de moi dans l'honnêteté? Je viens planter dans le sol parisien l'oignon de la vertu. Mais laissez-lui le temps de pousser, que diable! Rien à faire. Hein, te voilà, vaurien! Et la police vous saute à la gorge? Et je n'ai plus que le choix de la cave ou du toit. Dans la cave avec les taupes, sur le toit avec les moineaux. Oh, les oiseaux! Quel chef-d'œuvre! C'est ça qui est toujours en rupture de banc. Ils ont le chat, moi j'ai monsieur l'agent. Hey, la première sottise. Oh, qui que vous soyez qui ne voulez pas faire la deuxième sottise, ne faites pas la première. Je passais, j'étais gamin. Le tiroir d'une fruitière était entrouvert, il bâillait, il avait l'air de s'ennuyer. Je lui chipais 12 sous. On me happa, on me soutint que j'avais forcé le tiroir. J'avais un peu plus de 15 ans, c'est grave. 15 ans et 11 mois, on est un polisson. 15 ans et 13 mois, on est un bandit. On me trouva des dispositions. On pensa que j'avais de l'étoffe. Je n'étais pas même un filou. On me jugea digne de passer voleur et on me mit pour 3 ans dans une maison d'éducation. J'appris là bien des choses utiles à la société. Du tiroir des fruitières, je m'élevais à la caisse des banquiers. Un professeur m'expliqua le coffre-fort et la manière de s'en servir. Il m'inculqua les notions. Ça, c'est mœurs, le coffre-fort. Il y a le facile. Il y a le difficile. Ceux de Griffith sont bons. Ceux de Tan sont excellents. Ceux de Milner sont inviolables. Coffre-fort de Milner, puis celle d'Orléans. Eh bien, grâce à Alexandre Pédot qui présidait à mon instruction, j'ai appris à venir à bout même d'une caisse Milner. Évidemment. Pour une caisse Milner, il faut 7 heures de travail, tandis que pour une caisse Griffith, 10 minutes suffisent. Voilà quel a été mon baccalauréat. Et c'est ainsi qu'on devient, grâce à la sollicitude de la société, un homme à talent. Pourtant, quoique savant, je suis un mauvais voleur. Au fond, je n'ai pas la vocation. Je quitterai volontiers l'État. Mais la police ne veut pas. Je me débats. De là ma fugue en ce moment. J'étais venu à Paris avec l'intention de faire peau neuve et d'être l'ornement de la société. On me poursuit, on me pourchasse, on me court. Après, je m'enfuis, je m'échappe, je me sauve. Et je suis si essoufflé que je n'ai même pas le temps de devenir vertueux. Mm-hmm. Tiens, la première bonne action que je trouve à faire, je me jette dessus. Je la fais. Ça mettrait le bon Dieu dans son tort. Bon, faut quand même que je me tire d'ici, si messieurs les... Service de monter les escaliers, j'en ai au moins pour 2 ans. Coffré, bouclé, autant dire mort. Si j'avais le temps,
je me mettrais à penser à un peu. C'est vrai quand même, c'est une chose bizarre que l'acharnement de nos débuts à nous poursuivre. Résultat, je suis un homme qui s'esquive. Et pourquoi? Parce qu'on court après moi. Et pourquoi court-on après moi? Parce que j'étais dans la rue. Et pourquoi étais-je dans la rue? Parce que je m'imaginais qu'on pouvait être dans la rue. Et qu'est-ce que je faisais dans la rue? Rien. Je suis un innocent! En tout cas pour le quart d'heure. Mais on ne me croit pas, voilà. Toute ma vie, j'ai eu plutôt du malheur qu'autre chose. Je sais bien, moi, que ma conscience ne me dit pas toutes les injures qu'on croit. N'importe. Sous prétexte que la société s'est donné la peine de faire de moi un voleur, et qu'en plus de ça, je ne suis pas habillé comme un milord, on me soupçonne d'être un pas grand-chose. Erreur. Je suis un excentrique en rupture de banc, un mortel sans méchanceté, et qui se retrouve obligé de marcher un peu sur les toits, comme les chats. C'est mon genre. Chacun son histoire naturelle. Bon! Voyons les ressources. Ah, j'aperçois la beaufouille de lucarne dans ta bâtière, ça fera mon affaire. De là, je gagne le toit, puis la cour, puis la rue, puis la liberté, etc., etc., etc. Moi l'avenir ça me fait flipper. J'en peux plus de toutes leurs conneries. J'en peux plus de toutes leurs saloperies. J'en ai marre. J'en ai marre.
Dis-moi, petit con, tu crois que ça s'est fait tout seul? Qu'on n'avait qu'à ouvrir la gueule? Arrête de joindre et pour une fois dans ta vie assume qu'il faut se battre pour exister. Pendant 15 jours, je m'étais confiné dans ma chambre et je m'étais entouré de livres à la mode de ce temps-là. Je veux parler de livres où il est traité de l'art de rendre les peuples heureux, sages et riches. J'avais donc digéré toutes les élucubrations de tous ces entrepreneurs de bonheur public, de ces penseurs qui conseillent aux pauvres de se faire esclaves et des autres qui les persuadent qu'ils sont des rois détrônés. En ne trouvant pas surprenant que je fusse alors dans un état d'esprit avoisinant le vertige ou la stupidité. Mais il m'avait quand même semblé que je sentais tapis au fond de mon intellect le germe obscur d'une idée supérieure à toutes les formules que j'avais récemment parcourues. Mais ce n'était que l'idée d'une idée, quelque chose d'infiniment vague. Je décidai de sortir, car le goût passionné des mauvaises lectures engendre un besoin proportionnel du grand air et des rafraîchissements. J'allais entrer dans un café quand un mendiant me tendit son chapeau avec un de ces regards inoubliables qui culbuteraient les trônes si l'esprit remuait la matière et si l'œil d'un magnétiseur faisait mûrir les raisins. En même temps, j'entendis une voix qui chuchotait à mon oreille, une voix que je reconnus bien. C'était celle de mon bon ange qui a toujours aimé l'action. En vrai ange de combat. Et voici ce que sa voix me chuchotait. Celui-là seul est l'égal d'un autre qui le prouve, et celui-là seul est digne de la liberté qui
qui sait la conquérir. Immédiatement, je sautais sur mon mendiant. D'un seul coup de poing, j'ai eu le prochain un œil qui devint en une seconde gros comme une balle. J'ai brisé un de mes ongles, à lui cassé deux dents. Et comme je ne me sentais pas assez fort, étant né délicat et m'étant peu exercé à la boxe pour assommer rapidement ce vieillard, je le saisis d'une main au collet de son habit, de l'autre je l'empoignai à la gorge et je me mis à lui secouer vigoureusement la tête contre un mur. Je dois avouer que précédemment, j'avais inspecté les environs d'un coup d'œil, m'étant assuré que dans cette banlieue déserte, je me trouvais hors de portée de tout agent de police. Ayant ensuite, par un coup de pied lancé dans le dos assez vigoureux pour briser les omoplates, terrassé ce septuagénaire affaibli, je me saisis d'une grosse branche d'arbre qui traînait à terre, et je le battis avec l'énergie obstinée des cuisiniers qui veulent attendrir un beefsteak. Tout à coup, au miracle, ô jouissance du philosophe qui vérifie l'excellence de sa thèse, je vis cette antique carcasse se retourner, se redresser avec une énergie que je n'aurais jamais soupçonnée, et avec un regard de haine qui me parut de bon augure, le décrépit, se jeta sur moi, me pocha les deux yeux, me brisa quatre dents, et avec la fameuse branche d'arbre, me battit comme plâtre. Par mon énergique médication, je lui avais donc redonné et l'orgueil et la vie. Alors, j'allais faire des signes répétés pour lui faire comprendre que je considérais la conversation comme finie. Et m'étant relevé avec la satisfaction du chercheur qui a trouvé, je lui dis ceci. Monsieur, vous êtes mon égal. Faites-moi l'honneur de partager avec moi ma bourse. Et souvenez-vous, si vous êtes réellement philanthrope, qu'il faudra appliquer à tous vos confrères quand ils demanderont l'aumône la théorie que j'ai eu la douleur d'exercer sur votre dos. Assommons les pauvres. Il n'est rien qui ne témoigne davantage d'un amour véritable de l'humanité. Il m'a juré qu'il avait compris ma théorie. Selon à l'évidence, il m'en avait donné quelques preuves et qu'il s'emploierait à la mettre en pratique. My friend.
and I won't let you down. Oh, on my prudence, hang on in there, hang on in there, hang on in there, hang on in there, and I won't let you down. Oh, my prudence, hang on. Depuis longtemps, je sais que j'ai une mission. Celle d'exaspérer les imbéciles. Mais ça vous occupe à plein temps. Mais il y a des moments vertigineux où on est quasiment transporté. Et ce fut le cas pour l'incendie du bazar de la Charité. Le 4 mai 1897, en 6 minutes, 124 morts. Oui, 118 femmes, 6 hommes. Les hommes avaient été nettement plus rapides pour trouver la sortie. Mon cher ami, vous me demandez ce que je pense de cet événement épouvantable? Que voulez-vous donc que j'en pense? Moi qui suis catholique. Une duchesse au cœur sensible. Oui, décide d'organiser une vente de menus objets au profit des plus démunis, comme ils disent, dans le dernier endroit à la mode. Oui, le fameux bazar de la Charité. 1000 mètres carrés de sapin vernis sous une bâche goudronnée. Et reconstitution d'une rue médiévale, oui, bordée de boutiques, où les dames de la meilleure société vont vendre leurs bibelots d'hiver, avec en prime, parrainage de son Altesse royale, la Duchesse d'Alençon. Bénédiction du nonce apostolique. Et projection des films des frères Lumière. C'est beau, c'est grand, c'est épatant. Non mais dans ces conditions-là, comment ne pas raffoler de la vertu? Pas de chance, le projectionniste voyait mal. Ah oui, il craque une allumette un peu trop près du ruban de celluloïde. Fin du bazar. Et début du deuil national. Je suis l'un des rares à avoir gardé les yeux parfaitement secs. Non, mieux, mon cher ami, je dois préciser qu'à la lecture des premières nouvelles de cet événement épouvantable, j'ai eu la sensation nette et délicieuse, oui, d'un poids immense dont on aurait délivré mon cœur. Le petit nombre de victimes, il est vrai, limitait ma joie. Enfin, me disais-je, mais tout de même, enfin, enfin, voilà donc un début de commencement de justice. Ce mot de bazar a collé à celui de charité.
ces prêtres, ces religieuses circulant dans ce pince-cul aristocratique et traînant de pauvres êtres innocents. Et le nonce du pape venant bénir tout ça. Celui qui, en fin de compte, représente Jésus-Christ. Non, toutes ces marquises, on ne peut pas vraiment dire qu'elles étaient familières de l'Évangile. C'est normal. Tout le monde sait que l'Évangile fut écrit pour la canaille. Alors, le genre de précepte... Quand vous ferez l'aumône, que votre main gauche ne sache point ce que fait votre main droite, afin que votre aumône reste secrète. Évidemment, ça ne risquait pas de les marquer. Et vendre leur falbala pour soulager les malheureux sans chercher à le faire savoir. Vraiment, quelle idée. Ce qu'il y a d'affolant, oui, de détraquant, de désespérant, mais ce n'est pas la catastrophe en elle-même. Oui, qui est en réalité peu de choses auprès de la catastrophe arménienne, par exemple, dont nul parmi tout ce beau monde ne songeait à s'affliger. Non, c'est le mépris immense et tranquille de tous, oui, à peu près sans exception, sur ce en quoi ils disaient croire. La charité ? Allons donc, mais c'est juste un bazar. Mais sans le moindre frisson de trouble, de son autorité plénière, tout seul et avec entrain, le journal La Croix a canonisé illico les victimes. Oui, pas les hommes quand même, hein. Un peu trop nombreux parmi les survivants. Oui, valait mieux le patron s'interroger sur la façon dont ils avaient abandonné sur place leur chère épouse dans ses mousselines. Mais les femmes, les dames, les vicomtesses, et l'altesse royale, oh, alors là, quel émoi. Et rappelant sans frémir Jeanne d'Arc, oui, dont c'était à peu près l'anniversaire, il y eut même un éditorialiste pour parler de ce bûcher où les lys de la pureté ont été mêlés aux roses de la charité. Ah ! Ah, la poésie. Non, j'imagine que les chastes lys et les tendres roses auraient bien voulu pouvoir ficher le camp. Oui, fût-ce au prix de n'importe quel genre de cruauté. Et je me suis laissé dire que les plus vigoureuses d'entre ces fleurs ne dédaignèrent pas d'assommer les plus faibles qui faisaient obstacle à leur fuite. Chacun pour soi, chère madame. Non, ce mot a été entendu. On a préféré l'effacer. Vous ne croyez pas, cher ami, que cette sentimentalité démoniaque appelle une nouvelle catastrophe? Oui, comme certaines substances attirent la foudre. Trouvez-vous normal que personne, parmi tous ces respectables, oui, qui vont à confesse avec régularité, n'ait été effleuré par une pensée pourtant bien naturelle pour un croyant? Dieu frappe avec justice. En tout cas, si elle s'est présentée, elle a été écartée immédiatement avec horreur. Ah ! S'il s'était agi d'une population de mineurs, oui. Oui, gens aux mains sales et sans éducation, on aurait vu plus clair, les yeux étant beaucoup moins remplis de larmes, pas de doute, on aurait parlé de châtiment. Avec compassion, assurément, mais comment protester contre la justice divine? Mais des duchesses, oui, ou des banquières, oui, qui s'étaient réunies pour faire le bien, comme l'ont dit les gagas des journaux. Oh, songez donc, chère madame, mais c'est un incompréhensible malheur. Non, je vais peut-être vous scandaliser. Mais vous savez bien que je suis un entrepreneur en démolition. Pour moi, cet embrasement fut signe de divine justice. Oui, on ne fait pas joujou avec la charité. On ne jette pas sa petite piécette aux pauvres bien astiqués pour l'occasion avant de retourner valser sous les grands lustres en cristal. 1200 invités. 124 morts. On peut supposer que l'avenir verra d'autres jugements. Voilà, cher ami, ce que je peux vous dire de cet incendie. Et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir donné ainsi l'occasion de me dégonfler un peu. Et j'en avais besoin. Thank you.
La préparation d'un cabaret de ce genre, madame, monsieur, n'a rien d'inoffensif. Nous avons tous connu des turbulences intimes, les secousses habituelles à notre pratique. Introspection, hésitation, discussion, flirt avec la dépression, etc., etc. Toutes les émotions inhérentes au métier. Ces inquiétudes et gênes diverses, nous les affrontons généralement ensemble, mais juste avant, le moins fréquent qui peut apparaître en cours de route, c'est le doute. Le merveilleux doute qui vous sape le moral et la perspective. Eh bien, justement, ces inquiétudes et gênes diverses, nous les affrontons généralement ensemble, en ordre dispersé, mais ensemble, à l'exception des plus dissimulés d'entre nous qui préfèrent garder pour eux leurs états d'âme, ce qui, par ailleurs, ne trompe personne, mais inquiète tout le monde. Car, comme dans tout travail collectif, mieux vaut pour avancer que chacun fasse état de ses difficultés, même si elles ne sont pas toujours captivantes. Ce que nous allons vous présenter maintenant, c'est précisément un échantillon de ces instants de perplexité. Ils surgissent de préférence après la répétition sur le plateau. Quand on commence à sentir que ça dérape ou que ça s'embourbe, au choix, ils arrivent avec la pause. Drôle de moment, la pause. Délicat. Chacun est censé se détendre un peu avant de reprendre. En réalité, chacun reste crispé sur ce qu'il vient de faire et sur ce qu'il lui reste à faire. C'est un vrai champ de mine. Mais puisque c'est la pause, on essaie malgré tout de se détendre un peu. Alors, c'est pour ça qu'on s'agite. Alors, on vérifie ses accessoires, on se redit le texte, on ressasse. Ou alors on parle avec frivolité pour se passer les nerfs. Comme les matelots autrefois qui tricotaient avant de retourner travailler. Parfois la pause est péniblement silencieuse. On abrège. Parfois elle est un peu surexcitée. On abrège. Et parfois, elle est un peu perturbante. Alors là, on n'abrège pas, ou presque pas. Eh bien voilà, on y est, à la pause. Au fin fond du fin fond. Au fin fond du fin fond, si je suis honnête, je suis pas sûr que ça me touche tant que ça, moi. Toutes ces histoires de pauvres. C'est affreux ce que je dis.
Non, mais qu'on se comprenne bien, je parle pas des cas dramatiques ni du pauvre géopolitique. Non, 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 je pense au pauvre banal. Oui, le petit pauvre. Tu vois, le gars discret qui te tire pas les larmes mais qui devient tout pâle quand t'arrive une facture pas prévue. Hein? Le pauvre en creux, si tu veux. Voilà, oui, en creux. Celui qui est obligé de vivre comme ça, là, toujours coincé en se demandant de quoi il va falloir encore se priver pour s'en sortir. Il y a des moments d'ailleurs où ça me retourne complètement qu'on soit obligé de se refuser la moindre embardée. Non, pas parce qu'on meurt pas de faim, ce qu'il paraît, mais en tout cas on meurt d'usure. Et moi, à l'intérieur, je m'y fais pas. Mais je vais vous faire une conf... je vais vous choquer. Et d'ailleurs, ça me choque moi-même. Je n'ai pas beaucoup de sympathie. Voilà, en vrai, il me fatigue. Et le pauvre discret, là, oh, il me fatigue. J'en ai assez de le plaindre, j'en ai assez de parler à sa place. Oui, assez de bavarder là sur ce qu'il faudrait faire pour que ça change. Parce que, pourquoi il est aussi discret? Hein, on ne peut pas dire qu'on l'entende plus sa mort. S'excuse d'exister, ou quoi? Tu prends les Noirs. Ils ont inventé Black is Beautiful. Tu prends les homosexuels, ils ont fait la Gay Pride. T'as déjà vu? Poor is beautiful. On est pauvre, on en est fier. Non. Bah oui, on n'en est pas fier. Et rester pauvre, c'est pas un objectif. Tout ce qu'on veut, c'est d'être un peu moins. Il y a plus exaltant, oui, que d'avoir sa tête prise par son découvert bancaire. Non, mais je peux en parler, je connais. Tu passes ton temps à te faire tout petit, pas trop de désir, pas trop d'ambition, pas trop de rêve. On n'a pas les moyens. Pauvre. Ouais, c'est franchement pas beautiful. Et c'est normal. C'est normal, mais pourquoi ils encaissent? Mais pourquoi ils continuent à se faire petit? Mais c'est là où je comprends plus. Ils ont honte? Oui, ils se disent que tout compte fait, ils méritent moins. Pauvre! Fils de pauvre! Ils se disent qu'ils ont quelque chose qui manque. Je vais vous faire une confidence, ça m'est arrivé à moi aussi. D'avoir honte d'être pauvre. Bon, même si, hein, j'ai mes embellis. J'ai les fins de mois et même les débuts de mois, enfin, où tu penses que la monnaie, je connais en profondeur. Et dans notre métier. Quand on est pauvre, on est un raté. C'est simple. Non, sauf que moi, je me demande si c'est pas la même chose ailleurs. Ah oui, on est pauvre, on est un raté. On n'a pas réussi à s'en sortir. On n'a pas fait de grandes études. Ou alors, on n'a pas été assez malin. Enfin, on n'a pas eu de chance. Enfin, en tout cas, on n'a pas eu ce qu'il fallait pour y arriver. Et on en a vaguement honte. Et c'est pour ça qu'on bouge pas. Voilà, pas assez, pas nettement. Alors, évidemment, le pauvre discret, il a une qualité. Il est honnête. Pauvre, mais honnête. C'est tout un programme. Non, j'aimerais beaucoup mieux qu'on soit pauvre, mais malhonnête. Là, là, au moins, ça serait de la contre-attaque. Mais non, 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 on est respectueux des lois jusqu'à la tombe. La tombe à crédit. Respectueux des règles correctes. Pas de vagues. Moi, je veux des vagues. Et c'est pour ça que non, je n'ai pas de sympathie. Et depuis le temps, bon Dieu, c'est quand même nous les plus nombreux. Et rien. Rien. Si tu veux, il y a toujours des pauvres. Et il y a toujours des pauvres parce qu'ils ne croient pas assez qu'ils pourraient avoir raison. Ah, oh, mais d'ailleurs, je supporte plus ce mot-là, moi. Pauvre type, pauvre gars. Oh, le pauvre. Finalement, c'est de leur faute. Je me demande ce que ça aurait fait s'il n'y avait jamais eu de pauvre. Mon père était pauvre, il ne s'est jamais pris pour un raté. En tout cas, nous, on ne serait pas là. Parce qu'on n'aurait pas inventé le blues. Sauf qu'il est anonyme, l'inventeur. Enfin, la devise de la République non plus, on sait pas qui l'a inventée. Et puis pourtant, liberté, égalité, fraternité, c'est pas resté super discret, si.
Oui, oui, oui. Mais au final, on n'a pas de héros à nous. Et Spartacus, t'en fais quoi? Ah oui. Ah bah oui, oui, Spartacus. Oui. Ah oui, Spartacus. Ah, ah, ah. Oui, oui, si. Oui, mais j'en voudrais les plus récents, j'en vois pas. C'est quand même affreux quand on y pense. Pense-y un peu plus fort, va. Parce que quand même, tu dois bien te douter qu'il y en a eu d'autres. Ah, les mauvais pauvres, les teigneux, les salauds de pauvres. Attends, il faut être sérieux. Sans eux, on ne serait pas là à se demander s'il n'y a pas du gâchis quelque part. Du gâchis d'homme. C'était une expression de mon père. Et l'ennui, évidemment, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment eu le temps de la raconter, leur histoire. Et tu vois, ceux qui auraient pu la raconter pour eux, nous, par exemple, eh bien, on a largement préféré parler d'autre chose. Pourtant, ça changerait tout. Oui, parce que moi, je pourrais me faire d'autres paysages à l'intérieur. Non, mais je vois bien, moi, j'ai des rêves que j'aime pas. Ben oui, d'une certaine façon, je rêve contre moi. Oui, contre ce que je pense réellement. J'ai mes idées, j'ai mes convictions, mais par en dessous, je rêve de quoi? Je rêve d'être riche. Mais comme si ça allait m'embellir. Vous me prouvez que je vaux plus. J'arrive même pas à arriver hors du cadre. J'ai l'idéal hypocrite. Oui, d'un côté, je veux que tout change, mais de l'autre... Ah oui, moi aussi, j'aimerais bien quand même aussi. Non, mais aujourd'hui, si, le pauvre, aujourd'hui, il avait ses rêves à lui. C'est bon, il serait plus aussi coincé. Il n'a pas l'idéal hypocrite, il a l'idéal du fauché. Tu n'es pas un pauvre, mon vieux, même en creux, même discret. Tu as juste des problèmes d'argent, c'est pas pareil. Allez, je ne sais pas pourquoi tu leur en veux d'un coup. Pourquoi tu voudrais qu'ils soient purs? Mais franchement, c'est toi qui as besoin de héros. Oui, oui, exactement. Non, non, mais moi, je voudrais qu'on reprenne la Bastille, c'est tout. Non. Oui, non, je peux te dire qu'à ce moment-là, j'aurais plus tous ces sentiments visqueux. On serait beau. Qui ça, on? Nous? Et pourquoi nous, on serait beau? Automatiquement, comme ça, magique. C'est vrai qu'on devrait avoir les mêmes aspirations que les salauds de pauvres. Ça serait logique, après tout. Tiens, je vais m'exalter. Ou alors, je vais me fâcher. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? Qu'est-ce qu'on est supposé chercher? On veut embellir l'humain, non? On veut donner envie de rejeter tout ce qui le diminue, non? En théorie, c'est bien ça notre travail? Exactement ce qu'ils veulent, les mauvais pauvres. Ceux qui ruent dans les brancards. Mais jusqu'à là, il faut bien reconnaître que nous, on a toujours eu un pied dedans, un pied dehors. On veut bien être proche, mais de loin. Pas toujours. Quoi? Pas toujours. Thank you.
machin lointain, un truc qui scintille. Je veux voir, je veux toujours voir, et même le soir, très tard le soir. Oh, je veux voir. Une torchure, je veux de la chaleur et pas de la lettre, je veux toujours voir, surtout le soir, très tard le soir. Celle de la peinture, du théâtre ou de l'invention mathématique. Ce sont des hommes à passion unique. Le politique, lui, sa passion, c'est de faire l'histoire de son temps. Quand il réussit, il fonde des États ou fait des révolutions. Les vraies vocations et les passions absolues sont rares et qu'elles réussissent l'est encore davantage. Chaque siècle ne produit ou n'est produit que par quelques vrais peintres et quelques grands politiques. Comme tout le monde, bien sûr, je m'intéresse à ces gens-là, et dans la période présente, peut-être davantage aux peintres qu'aux politiques. Je ne me cache pas d'admirer les grands hommes. Plutarque fut une de mes premières lectures et je ne renie pas son enseignement. Mais ce qui me paraît aujourd'hui plus intéressant, ce serait de comprendre pourquoi, comment, de quelle manière, à quel moment, des hommes qui n'ont pas la vocation politique, la très grande majorité des hommes,
Des hommes qui ont peur de la politique parce qu'ils savent par leur manuel d'histoire et la lecture des journaux qu'il est bien plus dangereux de faire de la politique que de descendre dans l'arène au taureau ou de courir en automobile, parce qu'ils pensent au procès, aux guillotines, aux camps, aux meurtres, etc. Et à l'amertume des vaincus abandonnés de tous. Pourquoi des hommes qui se laissent aller au courant de la vie quotidienne, parce que c'est le plus facile, parce que l'achat d'une voiture, d'un disque, le sourire d'une fille fait oublier qu'il sera bien triste de mourir à la fin d'une vie pendant laquelle il ne se sera rien passé. Pourquoi ? Et dans quelles circonstances ces hommes-là, ces hommes de tous les jours et de tous les temps, se mettent tout d'un coup et quelquefois tous ensemble à se conduire en politique ? Alors, et pour un temps, les grands hommes, comme dans Plutarque, foisonnent. Ensuite, ils s'endorment ou s'éliminent les uns les autres, mais c'est une autre histoire. Ce serait particulièrement intéressant aujourd'hui, parce que jamais de mémoire d'homme, le peuple français, et pas seulement lui, n'a été aussi profondément dépolitisé. Singulier vocable. Singulière chose. Il est informé, bien sûr, mais être informé de la politique, c'est-à-dire de l'histoire en train de se faire, la regarder à la télévision, même si c'est une télévision objective, c'est utile pour se conduire en politique, mais ce n'est pas par là même se conduire en politique. Avoir des opinions ne suffit pas non plus. L'opinion, par définition, ce n'est pas une certitude et encore moins une action raisonnée. Quant à l'opinion publique, les tyrans d'Athènes savaient déjà la fabriquer. Se conduire en politique, c'est agir au lieu d'être agi. C'est faire l'histoire. Faire la politique au lieu d'être fait. D'être refait par elle. C'est mener un combat, une série de combats, faire une guerre, sa propre guerre, avec des buts de la guerre, des perspectives proches et lointaines, une stratégie, une tactique. Voilà qui paraît bien le dernier souci aujourd'hui de nos contemporains. J'ai déjà vu ce peuple désintéressé, pas tout à fait autant, à plusieurs reprises. En 1932, j'étais jeune journaliste dans un grand quotidien. Je me rappelle très bien certaines conférences de rédaction. On nous disait Hitler, Mussolini, la crise américaine, les affaires soviétiques. Notre public en a par-dessus la tête. Ce qui l'intéresse, c'est la vie de tous les jours. Ce qu'il veut savoir de New York, qu'est-ce que les Américains font de leur réfrigérateur ? De Berlin, l'amour y était plus libre qu'à Paris. De chez nous, comment supprimer au plus vite les passages à niveau qui font tant de victimes sur la Nationale 6 ? Et c'était vrai. Les inspecteurs de vente du journal le confirmaient. Les Français, cette année-là, ne voulaient plus entendre parler d'Hitler ni de Mussolini. Ils commençaient d'acheter des tandems pour aller se promener le dimanche. Voilà ce qui les intéressait. 4 ans plus tard, les métallurgistes et les mineurs occupèrent leurs usines et leurs mines. Pas seulement les métallurgistes, mais aussi les gaziers, les cartonniers, les ouvriers municipaux. Les balayeurs des municipalités défilaient le balai sur l'épaule. 4 ans plus tard, les demoiselles des magasins occupaient les galeries Lafayette et les employés de ministère défilaient le poing levé en réclamant des canons et des avions pour l'Espagne. Les demoiselles de magasin aussi scandaient « Le fascisme ne passera pas ». Je crois qu'aujourd'hui,
Même ceux qui sont en âge de se le rappeler ont oublié ce que c'était avant 1936, une demoiselle de magasin. Pas seulement quant au salaire, à l'absence de congés, de sécurité sociale, etc. Quant au respect, l'ouvrier français, même dans les périodes de dépolitisation, n'oubliez pas une déjà vieille tradition révolutionnaire. Le respect du travailleur, ça n'avait jamais cessé de lui faire quelque chose. En toutes circonstances, il exigeait au moins formellement ce respect-là. La demoiselle de magasin n'avait jamais été organisée. Elle était demoiselle, état transitoire. Elle ne gagnait pas de quoi vivre, mais c'était mieux que d'être chômeuse. On ne lui avait jamais rien appris, rien que le respect, pas le respect d'elle-même, mais celui des autres, le respect du client et le respect du chef de rayon. Elle n'était pas dépolitisée, elle était d'avant toute politique. Le respect imposé, subi, c'est le contraire de la politique. Or, en juin 1936, les vendeuses des grands magasins mirent à la porte les clients et les chefs de rayon occupèrent les comptoirs, s'organisèrent sur leur lieu de travail, comme dans un camp retranché. Comme le faisaient dans le même instant, bien sûr, les métallurgistes, les mineurs, etc. Mais l'extraordinaire était que les demoiselles de magasin aussi fissent la grève sur le tas. Les voilà qui chantent la Carmagnole et l'Internationale, lèvent le poing, fondent des syndicats politiques qui n'exigent pas seulement des congés payés, mais que les demoiselles de magasin aussi disent leurs mots sur les affaires du pays. Et quand elles chantaient « Groupons-nous et demain » et « Nous n'étions rien », nous saurons tout. Cela avait une signification pour elle. Les demoiselles de magasin avaient découvert leur but de guerre et se sentaient obligées de faire la guerre. Pendant quelques semaines de 1936, un très grand nombre de Français furent des politiques et crurent au bonheur. Et puis, une nouvelle fois, j'ai vu le peuple français dépolitisé. En 1942, l'année affreuse, ce n'était pas seulement d'être vaincu, d'être occupé, d'être gouverné par les vaincus de 1936. Mieux vaut Hitler que le Front populaire ressassé, mon garagiste. C'était qu'un peuple tout entier parut ne plus penser qu'au ravitaillement. Un jour, sur le quai de Lyon-Perrache, des hommes qui paraissaient bien élevés s'écrasaient puis se battirent pour gagner quelques places dans la queue à l'entrée du wagon-restaurant. Un vieillard qui le regardait à distance les injuria avec les termes les plus délibérément grossiers. Et j'étais de tout cœur avec ce vieillard. Moins d'un an plus tard, à la mi-1943, des maquis campaient comme ci, comme ça, dans tous les déserts de France. Les résistants, les clandestins, trouvaient tant qu'ils voulaient des secrétaires de mairie qui prenaient tous les risques pour leur faire de faux papiers. Des cheminots qui sabotaient. Des fonctionnaires qui livraient les secrets militaires du double adversaire, l'Allemand et Vichy. La plupart des Français commençaient de se conduire en politique. Et nous voici de nouveau dans le désert. Mais je ne veux pas croire qu'il ne se passera plus jamais rien. Que les citoyens n'exerceront plus leur pouvoir qu'en mettant un bulletin dans l'urne pour désigner comme souverain un monsieur qui a une bonne tête à la télévision. Que le seul problème sur lequel le citoyen aura à se prononcer par référendum sera l'itinéraire d'une autoroute ou la puissance d'une centrale électrique. Que dans un monde où il n'y aura plus que des cadres,
les cadres seront de plus en plus heureux parce que la retraite des cadres sera progressivement augmentée. J'en ai par-dessus la tête. Qu'on me parle de planification, d'études de marché, de prospective, de cybernétique, d'opérations opérationnelles, c'est l'affaire des techniciens. Comme citoyen, je veux qu'on me parle politique. Je veux retrouver, je veux provoquer l'occasion de mener des actions politiques, des vraies. Je veux que nous redevenions tous des politiques. Qu'est-ce que vous faites, les philosophes, les professeurs, les écrivains, moi-même, les intellectuels, comme on dit? Les praticiens ne manquent pas, ce monde en est plein. Mais les penseurs politiques, en attendant que revienne le temps de l'action, des actions politiques, une bonne, belle, grande utopie, comme nous pensions en 1945 que l'homme nouveau serait créé dans les 10 années qui allaient suivre, ce ne serait peut-être déjà pas si mal. Come on.
Thank you.